Au programme de cette vidéo, le programme de révision pour la ceinture bleue. Donc, bien évidemment, comme toutes les autres vidéos précédentes, vous devez regarder l'intégralité des vidéos produites depuis ceinture blanche-jaune pour avoir l'ensemble du programme. Là, on traite uniquement les nouveaux mouvements, c'est-à-dire les mouvements qui se rajoutent par rapport à la ceinture verte. Mais si vous voulez voir l'intégralité des mouvements à savoir, vous devez revoir l'ensemble des vidéos. Technique de projection, donc nage-waza. Donc il y a deux premières techniques à faire qui sont des koshi-waza. Koshi-waza, je vous rappelle que c'est des mouvements de hanche. Donc la première technique, c'est kubinage. Alors comment on se danse kubinage? Kubinage, c'est une forme un petit peu de koshi-guruma où j'irai un tout petit peu plus loin sur le cou. Hein, j'irai chercher plus marquer cette action de cou. Et pour éviter de porter le partenaire, pour vraiment marquer l'action qu'on a sur le cou, on a simplement l'action, je le fais chuter. Ça, c'est Kubinage. Alors, par défaut, à votre niveau, on va faire Kubinage en restant debout, mais faites Kubinage en amenant le partenaire au sol. Ça veut dire que j'enchaîne tout de suite mon Kubinage avec un Ongeza Gatame. Ça doit donner ceci. Je pars sur Kubinage et tout de suite j'enchaîne en partant en format Kekomi pour amener sur un Ongeza Gatame. Technique suivante, Ushirogoshi. Alors Ushirogoshi a cette particularité, c'est qu'elle s'exécute uniquement, quasiment uniquement, qu'en situation de contre. Alors cette fois-ci, c'est Michael qui va attaquer. Hein. Il va lancer un mouvement de hanche, peu importe lequel. Il va me tourner le dos et à partir de là, je dois le contrer. Principe étant d'aller chercher avec cette main qui est dans le dos la hanche de votre partenaire. Cette main revers reste, vous ne l'enlevez pas. Vous gardez la main à la hanche, main à revers. Et là, vous décollez votre partenaire. Et une fois que le partenaire est décollé, donc je rappelle qu'on décolle avec les jambes et non pas avec le dos, ne soyez pas cassé en deux, mais fléchissez vos genoux. Je fléchis, je colle et je lève. Là, je n'ai pas de difficulté à le lever et à le garder en l'air. Et maintenant, pour la projection, il suffit que j'ouvre sur l'arrière. Je vais reculer ce pied. Je recule ce pied. Et je le fais chuter. On va refaire une fois de manière un tout petit peu plus rapide de l'autre côté. Pour le faire chuter. Ushiro, Goshi. Technique suivante. Les trois techniques suivantes sont des techniques que l'on fait avec les mains. Alors, faites bien la différence entre les techniques qui vous sont demandées pour le passage de ceinture et les techniques que vous avez le droit de réaliser en compétition. Là, les techniques que l'on va faire, les trois qui vont arriver, sont des techniques que vous n'avez plus le droit de réaliser en compétition. On avait le droit de les réaliser avant, maintenant on n'a plus le droit. Mais il se peut très bien que d'ici quelques années, vous ayez de nouveau le droit de les réaliser. Ça sous-entend qu'il faut que vous les connaissiez. Donc, on travaille également ces mouvements. C'est des mouvements de judo qui sont cartographiés, qui vous seront demandés en plus pour la ceinture noire. Donc, on apprend à réaliser ces mouvements. Le premier, il s'appelle Morotegari. Morotegari, c'est lorsque je viens avec mes mains saisir les jambes du partenaire. Alors, c'est là où vous voyez que c'est interdit. Hein, toutes les techniques qui vont suivre sont des techniques où je viens avec mes mains saisir les jambes du partenaire. Donc, là, je viens avec mes deux mains chercher ces deux genoux. Alors, ces deux genoux, je vais les tirer, mais pour éviter que le partenaire avance, en même temps, je vais venir percuter avec mon épaule sur le ventre de Michael. Je suis ici. Mon Rotega. La même chose de l'autre côté. Donc j'avance le pied droit, je rentre dans mon partenaire, je chope le genou et je fais chuter. Technique suivante, c'est Kibitsu Gaeshi. Kibitsu, ça veut dire cheville. Gaeshi, c'est lui qui sait projection. Donc projection par la cheville. Le partenaire va avancer sa jambe. Même chose que précédemment, je vais venir avec ma main saisir les jambes du partenaire. Donc je vais partir cette fois-ci au niveau de la cheville. L'idée, c'est d'aller chercher ici la cheville. Donc je cherche la cheville. Si je prends uniquement la cheville que je lève, là je ne fais pas chuter mon partenaire. Pour pouvoir créer quelque chose, il faut que je tienne le revers et que je le pousse. Donc il y a ce bras-là qui va pousser vers l'arrière et le bras qui est là qui va pousser vers l'avant. Donc je vais avoir cette action avec mes deux mains. J'avance sur mon partenaire. Je suis ici en saisie de revers et d'un seul coup je pars pour faire Kibitsu Gaeshi. La même chose de l'autre côté. Je suis ici. Kibitsu Gaeshi. La technique suivante, c'est Kuchikidaoshi. Alors, un peu analogue à Kibitsu Gaeshi, sauf que je ne viens pas saisir ici la cheville, je viens ici plutôt au niveau du genou.
D'accord ? L'action est quasi similaire, sauf que ma saisie est plus haute. Donc par défaut, je ne vais pas travailler sur cette jambe-là, je vais avoir plutôt tendance à travailler sur l'autre jambe. Pourquoi ? Parce que très très souvent, dans cette jambe, on l'amène sur un coachi. Donc c'est le coachi qui va me permettre de lever la jambe du partenaire, saisir le genou pour faire shooter. Kuchiki, Daoshi. Donc je remonte sur l'ensemble de la technique avec le coachi. Le coach du départ qui fait lever la jambe du partenaire, je récupère le genou au passage et je mets tout de suite mes actions de bras, les mêmes que ce que vous aviez sur Kimitsugaichi. Kuchiki, Daoshi. Les techniques suivantes, c'est ce qu'on appelle des sous-temi. Les sous-temi, ça veut dire que vous sacrifiez pour pouvoir faire projeter le partenaire. Alors je me sacrifie pas moi, je ne me mets pas sur le dos. Je sacrifie mon équilibre au profit de la réalisation d'un mouvement. Ça veut dire que lorsque je suis en train de tomber, je fais une technique qui me permet de faire tomber le partenaire. La première, elle s'appelle Tomoe-nage. Alors, Tomoe-nage, c'est ni plus ni moins que la planchette japonaise. Pareil, toujours cette notion de déséquilibre. Si je recule, très très souvent on voit ça sur Tomoe-nage, c'est des partenaires qui reculent, qui ne veulent pas se mettre en déséquilibre. Ils refusent de se mettre en déséquilibre, du coup, on les voit s'asseoir et essayer de mettre le pied. Mais ça, c'est pas possible. Je vous ai dit que c'était un sacrifice. Sacrifice, ça veut dire que je dois me jeter. Et je me jette en me mettant complètement assis. L'idée, c'est d'avoir à un moment donné vos fesses ici entre les jambes du partenaire. Pied ici sur la hanche et une projection sur l'arrière. Donc, je réalise aussi en avant. J'appuie sur mon partenaire pour créer des équilibres. Et lorsque lui se relève, je vais rentrer. La même chose de l'autre côté, j'appuie et quand il se relève, je rentre dans mon partenaire. Tomoe Nage. Technique suivante, Sumigaishi. Alors, on a souvent la confusion entre Tomoe Nage qu'on a vu précédemment et Sumigaishi. Alors, Sumigaishi, le pied n'est pas posé sur la ceinture du partenaire, le pied vient ici entre les cuisses. D'accord ? Alors pour pouvoir réaliser ce Sumigaishi, par défaut on pourrait le prendre sur le revers, comme classique, mais vous pouvez aller saisir ce qu'on appelle en garde croisée. Garde croisée, c'est quand vos bras ici se croisent. Je ne suis pas en unilatéral. Garde croisée, c'est ça. C'est-à-dire je casse mon partenaire et je mets une pression. Et quand lui se relève, je viens faire ce Sumigaishi. Le Sumigaishi, il a lieu avec le genou qui est là. On a déjà vu une forme de Sumigaishi dans les retournements au sol. Le genou. Lorsque j'étais ici, le partenaire à quatre pattes au départ, je viens ici et je projette mon partenaire. La technique qui vous est demandée, c'est la même en partant de debout. Donc je suis ici, je croise, je mets la main en dos, ceinture, pour faire Sumigaishi. Technique suivante, c'est ce qu'on appelle la makekomi. Makekomi, c'est que vous utilisez votre poids de corps pour amener le partenaire. Donc là, en l'occurrence, c'est soto-makekomi. Soto-makekomi, c'est une technique qui se réalise comme ceci. C'est-à-dire, au départ, vous prenez une garde classique, hein, puis vous avez tendance à un moment donné à vouloir laisser passer ce bras par-dessus le bras du partenaire. Vous en roulez le bras. Et l'idée pour moi, c'est d'aller faire une chute. Ça, mais avec le partenaire collé dans votre dos. Soto-makekomi, ça donne ça. Donc je dois bien, moi, chercher à avancer. Pas partir en diagonale ni sur le côté, mais chercher à aller par là-bas. Ici. Et jamais mon partenaire dans le dos. Même chose de l'autre côté. Les équilibres et jamais mon partenaire en chute. Soto-makekomi. Les enchaînements. Alors on va travailler quelques enchaînements. Dans ces enchaînements, dans les nouveaux enchaînements, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'enchaînements à connaître, mais on va revoir que les nouveaux. Les anciens sont à revoir dans les anciennes vidéos. Donc là en l'occurrence, on va travailler les nouveaux enchaînements et on va inclure les makekomi, soto makekomi en particulier. On a déjà vu certaines formes de makekomi sur certains mouvements. Hein, c'est tout ce qui est mouvement où vous allez au sol. On les a vus dans la ceinture verte et la ceinture orange verte.
tout ce qui est Kochi Makikomi, Ochi Makikomi. Donc on a déjà vu un ensemble de techniques, Arai Makikomi. Mais là, on va voir en l'occurrence Soto Makikomi. Alors Soto Makikomi, ça veut dire qu'à un moment donné, le partenaire se défend. Alors ça pourrait être suite à un Arai, par exemple. Je suis ici, partenaire bloque, je me retrouve bloqué sur Arai Oshi, je repartirai sur Soto Makikomi. Il suffirait de lâcher la main. Là, en l'occurrence, la solution que je vous propose, c'est sur Erisei. Je lance un Erisei, le partenaire bloque, et pour finir mon mouvement, jamais sur Soto Makikomi. Alors, c'est réalisable à partir du moment où vous êtes tourné et que vous tenez manche et que vous avez main revers. Ça marcherait également sur un Yamaharashi. Yamaharashi, je serai ici ouvert. J'amènerai mon partenaire sur Soto Makikomi. On retrouve cette idée d'aller jusqu'au bout de son mouvement. C'est pas parce que le partenaire a défendu que j'ai fait un mouvement que le partenaire a défendu que la technique s'arrête. La technique va jusqu'au sol. Les techniques suivantes sont des contres. Les contres, bien pareil, un ensemble de contres à connaître. Là, on ne vous montre que les nouveaux. Allez voir les autres vidéos pour revoir l'ensemble des techniques à connaître. Là, on va réintroduire Ushirogoshi. Donc, c'est la technique qu'on a déjà fait hein, tout à l'heure. Ça viendrait sur un mouvement de hanche, style Araigoshi, ce que Michael veut. Il tourne le dos. Vas-y. Il tourne le dos, je bloque. Ushirogoshi. On fait une fois de l'autre côté. Il tourne le dos à partir du moment où il tourne le dos. Je lève, je projette. Ushiro, Goshi. Enchaînement suivant, pareil sur des sutemi. Les sutemi, si je vous rappelle, c'est lorsque moi je me sacrifie. Donc, toujours en situation de contre, toujours sur une attaque de Michael. Moi j'esquive. Alors en l'occurrence, l'esquive, ce sera un Taisabaki. Taisabaki, c'est un déplacement. Donc, sur un iPhone, ça va naguer. Taisabaki, derrière, je vais tout de suite enchaîner. On refait une fois la technique. Donc dès que vous avez posé pied, alors vous ne jetez pas sur le dos par contre. Il faut bien reprendre appui pour monter la tête et vous après l'initiative. Soit sur ça, soit si j'arrive, je ne sais pas, sur un mouvement un peu plus engagé, la main qui passerait ici dans le dos, casse le partenaire, je me gâche. Donc soit sur Tomé Negué, soit sur ce Migashi. Autre possibilité pour vous, exactement la même technique hein, sur un iPod Sevenagé. Sumigashi, alors forme un petit peu particulière de Sumigashi, hein, cette fois-ci sera à gauche hein, pour moi. Donc, je vais lancer, puis je vais lancer Sumigashi, cette fois-ci en étant à gauche, sauf que je n'ai pas ce bras-là, j'ai ce bras-là. D'accord ? Je vais remontrer. Il attaque, je prends ce qui vient et je fais Sumigashi. On va faire une fois. Tout de suite. Pour faire Sumigashi. Alors. Pas de nouvelles immobilisations à connaître, pas de nouvelles sorties d'immobilisation qui se rajoutent par rapport au programme de la ceinture verte. Donc, bien évidemment, ces immobilisations sont à connaître, hein, vous devez aller les revoir, ainsi que les sorties d'immobilisation. Il y a également, qui se greffe sur l'ensemble de ces techniques, les sorties de jambes. Je rappelle que le dégagement de jambes est important et vous devez impérativement connaître ces techniques. Je rappelle, immobilisation, sortie d'immobilisation et dégagement de jambes sont des choses sur lesquelles vous serez interrogé pour la ceinture bleue. Allez voir ceci sur le programme de la ceinture verte et orange-verte. Là, on va travailler ce qu'on appelle les Shimewaza et Kansetsuwaza. Kansetsuwaza, c'est les clés de bras et les Shimewaza, c'est les étranglements. On commence par les Kansetsuwaza. Première technique à réaliser en clé de bras, Jujigatame. Alors pour Jujigatame, je vais demander à Michael de se mettre allongé sur le dos. Alors pour Jujigatame,
L'idée, c'est vraiment d'aller bloquer le bras du partenaire et de tirer ici sur l'avant-bras. Bras, avant-bras, je bloque son bras et je viens tirer sur son avant-bras. Pour bloquer son bras, je vais utiliser mes jambes. Je viens mettre mes deux pieds autour de son bras et je viens serrer le plus fort possible son bras. Le bras, c'est le biceps. Et je viens tirer ensuite par la suite son poignet de telle manière à tendre l'articulation du coude. J'amène son articulation du coude en hypertension. Et là, je viens faire jujigatami. Technique suivante, udegatame. Udegatame, c'est une clé en hypertension du coude toujours que vous réalisez en appuyant avec vos mains sur le coude du partenaire. Donc pour faire udegatame, plusieurs possibilités. Je monte la main ici par-dessus son épaule. Je fais tourner le coude. Pourquoi tourner le coude? Parce que l'objectif étant d'avoir l'articulation vers le haut. Si mon articulation est vers le bas et que j'appuie dessus, il ne se passera rien. Donc je dois tourner le bras du partenaire pour avoir le coude vers le haut. Et ensuite appuyer avec mes deux mains pour faire udegatame. Ou alors, si je ne veux pas lui retourner la main, ça sous-entend que je n'appuie pas vers le bas, mais que j'appuie vers le haut. Le coude est toujours plié vers le bas. Et je dois lever vers le haut. Udegatame. Clé de bras suivante, wakigatame. Wakigatame, c'est une clé de bras que vous réalisez avec l'aisselle du partenaire, avec votre aisselle sur le coude du partenaire. Donc, une chose, le partenaire me donne le bras. Et je viens mettre donc cette fois-ci mon aisselle sur son coude. Comme on a vu, diriger l'articulation dans le bon sens, c'est-à-dire petit doigt vers le haut. Le repère, c'est toujours le petit doigt du partenaire. Ce petit doigt doit toujours être dirigé vers là où il y aura la butée. La butée, c'est avec mon aisselle, donc petit doigt dirigé vers le haut. Je suis ici, je lève au maximum et je descends mon épaule sans bouger cette main. Si je descends cette main en même temps, il n'y aura pas de clé. Donc là, je ne bouge pas et j'appuie avec mon épaule pour faire wakigatame. Je remonte encore une fois, lever au maximum, et là j'appuie, pour faire wakigatame. Dernière clé de bras à voir, aragatame. Alors, ne confondez pas wakigatame qu'on a vu précédemment et aragatame. Waki, j'étais ici avec le bras sur l'aisselle, là le bras du partenaire va être cette fois-ci sur mon ventre, ara c'est ventre. Donc je dois être un tout petit peu plus haut, position relevée. Et le coude posé sur. Pareil, dirigez l'articulation vers votre ventre. Pas ça. Le petit doigt est dirigé vers l'extérieur, ça c'est pas juste. Petit doigt vers l'extérieur, c'est pas juste. Donc je dois diriger le petit doigt vers là où ça va cogner, vers mon ventre. Et pour éviter que le partenaire avance, allez saisir le revers et vous le contrôlez. Et maintenant, il suffit d'avancer le ventre pour faire aragatame. Donc il y a cette action d'avancer. J'avance mon ventre. Même chose, votre main ne bouge pas. Si vous avancez avec votre main, il ne se passe rien. Donc la main est bloquée ici et il n'y a que le ventre qui avance. Ara gatami. Les techniques suivantes sont des shimewaza. Shimewaza, ça veut dire technique d'étranglement. Alors, les shimewaza, il y a plusieurs shimewaza possibles. Les shimewaza où je suis en face de mon partenaire et les shimewaza où je suis dos à mon partenaire. Là, on va commencer par les shimewaza où je suis en face. Alors, faites aussi le distinguo entre deux types d'étranglement, entre les étranglements sanguins et les étranglements respiratoires. Respiratoire, je vais appuyer sur la trachée. Sanguin, j'appuierai sur les carotides de mon partenaire. Là, les deux premiers sont des étranglements sanguins. Mon partenaire sur le dos. Je vais venir à cheval par-dessus mon partenaire et maintenant je vais venir saisir les revers. Alors les revers se saisissent en croisé, bien évidemment. Donc là en l'occurrence, sur Gaïaku Jujijime, j'ai 4 doigts à l'intérieur, 4 doigts à l'intérieur. Donc cette main légèrement plus bas pour tirer ici le revers, on voit que ce revers vient appuyer sur la carotide de ce côté-là. L'autre main beaucoup plus haut, presque au niveau de l'oreille, pour étrangler. Alors on voit que c'est un étranglement sanguin parce que l'action n'est pas tout à fait instantanée. Il y a un petit moment de latence entre le moment où je commence à serrer et le moment où le partenaire commence à frapper. Ne vous inquiétez pas s'il ne tape pas tout de suite, c'est normal. Étranglement qui s'appelle Gaïaku Jujijime. Alors le suivant, on va rester exactement dans la même position, sauf que
au lieu de mettre les quatre doigts ici à l'intérieur, je vais retourner ma main. Ça va être le pouce qui va être dedans. Donc j'étrangle pas avec cette partie-là de mon avant-bras, j'étrangle avec celle-ci. Mais le principe de l'étranglement reste le même. Alors là, on est plus sur du respiratoire. Autant tout à l'heure, j'étais sur du sanguin. Là, on voit bien que ma main forme une barre et elle va appuyer sur la trachée. Là, on est sur du respiratoire. Kata Jujigime. Troisième étranglement, Hadaka Jime. Hadaka Jime, c'est lorsque je suis dos à mon partenaire. Donc, Michael va se mettre assis face à vous. Moi, je vais venir dans son dos. Et là, pareil, on va faire un étranglement respiratoire. Donc, grosse pression de mon avant-bras sur la trachée du partenaire. Exactement comme vous avez fait précédemment sur Kata Juji. D'accord ? Donc, je suis ici, c'est toujours la même action, là, l'avant-bras qui vient bloquer. Donc, je suis là. Sauf que j'engage pas pouce à l'intérieur, je viens saisir ici ma main. Et pour finir mon étranglement, bah, il faut que je tire, mais que je bloque avant tout sa nuque. Si je recule sans rien faire, il n'y aura pas étranglement. Donc je dois bloquer avec mon épaule derrière sa nuque. Là, étranglement. Dès que je tire, ça tape. Hadaka Jime. Dernier étranglement, un grand classique, s'appelle Sankaku Jime. Étranglement en triangle, pour ceux qui connaissent un petit peu le jiu-jitsu brésilien. Sankaku Jime, c'est un étranglement que je fais cette fois-ci avec mes jambes. Alors, mes jambes par rapport aux bras sont beaucoup plus puissantes. Donc, cet étranglement est très très fort. Si vous maîtrisez et que vous êtes positionné correctement, c'est un étranglement qui fonctionne très très bien. Alors, partenaire à quatre pattes, bien évidemment. Je viens engager. Alors, l'idée c'est de faire un triangle entre mon tibia, ma cuisse et ma deuxième cuisse. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une jonction ici entre mon talon et mon genou. Là, je ne suis pas en triangle. Il y a un espace sur lequel le partenaire pourra se défausser. Ici. Donc j'essaie de faire ceci et d'avoir entre mes jambes un bras et la tête du partenaire. Ici. Une fois que j'ai bien bloqué, là normalement avec la puissance de mes jambes, lui il ne sort pas. Maintenant, il faut quand même que je le ramène sur le dos. Pour le ramener sur le dos, vous prenez le bras qui est ici et vous roulez sur le côté. Et je contrôle mon partenaire dans un premier temps en croisant mes jambes. Maintenant, il faut que je le contrôle. Je vais avoir besoin de mes mains pour aller chercher là-bas l'étranglement. Ça veut dire que je dois contrôler ici mon partenaire pour relâcher. Si je relâche ici, il va se sauver. D'accord ? Mais je serai obligé de relâcher. Donc, il ne faut pas que je relâche tout de suite et que je prenne un contrôle intermédiaire. Ce contrôle intermédiaire, il va avoir lieu avec ce bras-là. Pour contrôler le bras du partenaire, je pose ma main. Je rabats la main de mon partenaire par-dessus. Et je viens coiffer son poignet avec la ceinture ou avec le bas de sa veste. Peu importe. D'accord ? L'idée, c'est de bloquer ce bras. Et là, je peux lâcher. Pourquoi ? Parce que mon partenaire ne se sauvera plus. Essaie de te sauver. Et là, je contrôle suffisamment fort. Il ne va pas réussir à se sauver. Si j'avais foiré ce contrôle, là, il serait en train de partir. Blocage du poignet en tirant très très fort. Et maintenant, comme je vous ai dit, je vais pouvoir relâcher tranquillement mes jambes. Alors l'idée étant d'aller mettre votre cuisse derrière la nuque. Restez un petit peu. Là, je suis sur son dos, je ne pourrais pas l'étrangler. Alors, on a vu étranglement respiratoire et étranglement sanguin. Là, c'est un étranglement sanguin. Pour un étranglement sanguin, il faut que j'appuie sur cette carotide et de l'autre côté. Cette carotide va être compressée par ma cuisse. D'où le fait de descendre votre cuisse. Le deuxième appui avec ma deuxième cuisse ici sur sa nuque. Et le troisième avec son bras, c'est son biceps qui va venir appuyer indirectement sur sa carotide. Donc j'ai un contrôle, deux contrôles, troisième contrôle. Alors n'hésitez pas à prendre le temps de mettre vos contrôles en place. Et maintenant il faut serrer. Alors pour serrer, coup de pied dans le creux du genou. Et serrez vos cuisses. Je suis en place. Coup de pied dans le genou et je serre les cuisses. Pareil que précédemment, c'est un étranglement sanguin. Ça veut dire que l'étranglement n'est pas instantané. Des fois, il faut serrer pendant quelques secondes, 2, 3, 4 secondes, avant de réussir à obtenir l'étranglement. Le temps que le partenaire se rende compte qu'il est étranglé. C'est pas aussi rapide qu'un étranglement respiratoire.
Sans kaku, j'y mets. Alors, les retournements qui suivent sont directement liés aux techniques qu'on a vues précédemment, les clics bras et les étranglements. C'est des retournements. Alors, les retournements, c'est lorsque moi je mets mon partenaire sur le dos, hein, on est d'accord, ou que je finalise sur quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est des retournements qui vous seront possibles de réaliser, même si vous n'êtes toujours pas autorisé de faire des clics bras et étranglements en compétition. Par contre, vous pouvez quand même les réaliser en combat si vous n'allez pas jusqu'au bout. Exemple le premier, alors sur son kakujime qu'on a vu précédemment. Je suis ici, je lance son kakujime. Ce retournement qui me permet d'amener le partenaire sur le dos, est très efficace. Je contrôle pour l'instant mon partenaire avec mes cuisses sans l'étrangler. J'ai toujours le droit. Je rabats le bras du partenaire, je le coiffe ici avec la veste. J'ai toujours le droit. Ce que je n'aurais pas le droit, c'est d'étrangler. Pour ne pas étrangler, il suffit que je relâche les jambes et que je revienne ici en immobilisation pour pouvoir terminer mon osai komi. Je remonte une fois. Donc, je utilise le travail de son kakujime pour amener le partenaire sur le dos et le contrôle. Je ne vais pas jusqu'à la fin de l'étranglement, mais je l'immobilise. Autorisé, tout ça c'est autorisé. Je bloque le bras du partenaire, c'est autorisé. Je lâche maintenant les jambes et j'immobilise. Retournement suivant, même chose, une grosse base d'une technique, de clé de bras, qui n'est pas forcément autorisée en tant que minime, mais qui va vous permettre d'amener le partenaire en situation et de finaliser sans amener forcément sur la clé de bras. Donc partenaire à cheval, moi, partenaire à quatre pattes, moi à cheval par-dessus, et je vais partir sur Jujigatame. Alors Jujigatame, je vous rappelle, c'est la clé de bras que vous réalisez avec les jambes. Mais je ne fais pas Jujigatame, hein. L'idée c'est vraiment d'engager ici, le partenaire va se mettre à défendre, hein. Lorsque je tiens le bras, lui, en général, se met à défendre. Je saisis mon revers, et je viens passer mon pied ici sur sa nuque. Alors, je le fais en restant debout et en restant séparé. Pourquoi ? Parce que dès que je réalise la technique, je suis obligé de tomber, je ne peux plus vous expliquer correctement les choses. Donc, je viens ici coiffer la nuque du partenaire avec ma cheville. D'accord ? Tout en ayant gardé son bras ici engagé. Une fois que j'ai fait ceci, je viens saisir le pantalon et retourner le partenaire. Donc, il y a une action qui a lieu avec mon pied qui est là sur la nuque et je viens saisir la jambe de mes partenaires par le pantalon et la faire passer par-dessus moi pour le retourner. Alors en général, lui est toujours en situation de défense. Et c'est là où justement, on ne va pas s'attarder sur la clé de bras et on va revenir tout de suite en immobilisation. Pour revenir en immobilisation, il suffit pour vous d'aller chercher la jambe et de revenir à cheval sur le partenaire. Et là, je suis en osai komi. D'accord ? Ne vous attardez pas sur la clé de bras. Alors bien évidemment, il y aurait possibilité plus tard de réaliser un jujigatame. Là, en l'occurrence, je saisis mon revers, je cherche sa jambe et je me mets assis sur mon partenaire. Là, j'ai immobilisation. Osai komi. On remonte une fois l'ensemble. Retournement suivant. Retournement, c'est plus une reprise d'initiative qu'un retournement. En l'occurrence, parce que c'est moi qui suis en position quadrupédique au départ, et c'est Mickaël qui tente de faire quelque chose. Et je profite de son erreur pour pouvoir amener le partenaire sur le dos. Là, en l'occurrence, je suis à genoux et lui me tend le bras. Il me tend le bras et je viens faire tout de suite ce qu'on appelle bras roulé. Bras roulé, c'est lorsque je prends ce bras et que j'enroule mon partenaire en format kikomi pour pouvoir arriver ici sous une forme de Ushiro Geza Gatame. Je remonte une fois, de l'autre côté si tu veux. Dès que le bras passe dans mon dos, je suis ici, j'enroule. Pour faire Ushiro Geza Gatame. Alors on retrouverait exactement le même retournement si au lieu de vouloir faire l'enroulé, je partais tout de suite moi sur un espèce de Waki Gatame. D'accord, je suis ici, j'enroule, et je veux faire Waki Gatame. Sauf que là, le partenaire va se mettre à défendre,
et à rouler sur son épaule. Voilà. Et je retrouve la même situation que précédemment. Donc je remonte, cette fois-ci c'est pas le Ushiro Gezagatame qui m'intéresse dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est le Wakigatame, la clé de bras qu'on a vu. Donc je suis ici, je veux faire Wakigatame. Sauf que là, mon partenaire défend. Et lorsqu'il défend, je remonte dessus pour faire mon Ushiro. J'espère que vous avez passé un bon moment de visionnage. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime. Je vous renvoie également sur notre site Facebook, Instagram et sur notre chaîne YouTube du Judo Club de Dupuy Game pour retrouver d'autres vidéos. Merci et au revoir.